Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 sur The Hidden Face of Paradise avec EO. Salut, salut! Alors la dernière fois, nous étions en train de creuser dans ce monde de lapins fous qui courent à J'ai toute faim. allure. Et EO, enfin, si tu veux, j'ai de la viande de zombie et une patate. C'est toi la patate. Merci. Ça aurait mérité la viande de zombie. Du coup, on a vu... Oh mince, je suis parfait là, voilà. Alors ici, si je vous montre à peu près là-bas, il y a une autre structure en pierre en face. Du coup, ben, moi je serais d'avis d'essayer de faire un ponton. Attention au squelette. Oui, j'essaye de les repérer. Le problème c'est que c'est que des squelettes. Du coup. Ça va Nickel. être bon. T'as ouvert le coffre qu'il y avait là-bas, du coup? Le coffre qu'il y avait là-bas. Oui, j'ai la fameuse épée Spongy Sword. D'accord. Et dans le coffre qu'il y avait ici? Dans le coffre qu'il y avait ici. Ah non, c'est le coffre qu'il y avait en face, là, D'accord. que j'ai Donc peur. maintenant que tu me regardes, t'as regardé dans le coffre qu'il y avait là-bas? Ah non. Ah d'accord. Bah, j'y vais si tu veux. Non, Non, tu je vais y vas. aller. Et moi, je me rapproche du. De la structure en pierre, hein, du coup. Alors, je sais que ce n'est pas très très passionnant à voir, hein. Enfin, c'est Tant sûr. que tu le sais. Mais le problème, c'est qu'avec la vitesse de course des lapins, on a discuté un peu hors épisode, on n'est pas convaincu de réussir à pouvoir explorer sans mourir. Même pas sans mourir, c'est juste en ayant une productivité différente de nulle. Bah, il est où le coffre? Mais où qu'il est le petit coffre? Oh, ça va, hein? Ça va le coffre? Oh. Hey! Toi, tu vas te Oh. prendre Le des nouveau son coups? du temps. Je vais me prendre des coups. Au moins, non, je veux pas. Ah Alors, bah, tant pis pour toi. j'ai un coffre. C'est cool, j'ai plein d'éponges. J'ai un coffre avec la Bice Sword, Knock Back 10. D'accord. Bon, de là, je vais où? Rien. Je vais continuer par là, Ça c'est j'imagine. cool. Il se suicide. C'est une idée, hein. Je suis incapable de Te dire où tu es. réussir à trouver la position d'un coffre que je viens de regarder, quoi. Voilà. Alors, le truc qui est là, le coffre, il est 1, 2, 3 à droite. En gros. Hop, 1, 2, 3 à droite. Ah bah il est en bas. Ouais. Oh, bah oui, du lapin. Mais du lapin cru! Du lapin L'Icarius cru, hein, quand je te l'ai dit. a beaucoup d'humour. C'était quoi le début de ta phrase? L'Icarius a beaucoup d'humour. Ah, il est comme moi. Pourquoi? Bah, mettre du lapin cru au milieu du monde des lapins. Ah oui, c'est sûr que s'il avait mis du... Ow! Me fais pas des vrais. T'es toute blanche comme les lapins. Et où mon cœur? Enfin, pense à mon cœur, pardon. Mais. Ah! Là, tu vas passer devant. C'est amusant. Frôler la crise cardiaque, je te hais. Mon cœur, il a. Et puis. Ouais, mais t'en faut pas beaucoup, hein. Mais tu préviens pas! Si dans la rue, d'un coup, il y a un homme qui Non arrive mais derrière toi, Nash, tu quand le je te dis que coupes. j'ai récupéré ce qu'il y avait dans le coffre, tu croyais quoi? Que j'allais rester devant le coffre à l'observer comme ça? Waouh, coffre, que tu es beau, que tu as de grandes serrures. Non, quoi.
Non, mais t'aurais pu prévenir en disant Nash, attention, j'arrive derrière. Bah, je vais pas dire attention, à la limite, j'aurais dit attention, il y a un lapin derrière, mais pas attention, il y a moi, ça va, je suis pas si dangereuse que ça. Hein. Toi, t'es dangereux. Ça me rappelle une map où tu m'as tué. Une map. Oui, bon, plusieurs, mais une en particulier. De quoi tu parles? Bah, et ouais, si t'es en sneak, si je te tape, tu vas pas tomber. Moi, j'ai fait ça. Toi, t'as dit ça. Et tu as accompagné le geste à la parole. Et t'es tombé? Ah bah, je suis tombé, j'ai perdu tout ce qu'on avait, ça nous a retardé, j'ai dû me faire du gif, mais ouais, ouais, c'est tout. J'ai fait ça, moi. Non, ah bah oui, hein, t'es bête aussi, putain, sur, je veux dire, tu étais déjà bête avant. Ah bon. Oui. La vieillesse, tu sais, j'oublie ces choses-là. J'oublie que t'es pas très... Ah, je comprends. Pas très vivace, oui. Pas très quoi? Vivace d'esprit. Oui. De fait, j'admire la vivacité tudesque de ton intelligence. Non, je ne te dirai pas merci, vu que je sais ce que ça veut dire. J'espère bien. Tout le monde connaît ce mot. Mais bien sûr. Bon, du coup, il faut meubler. Veux-tu encore nous parler de... Ah bah non, là, c'est moi qui... D'accord, enfin... donc c'est à moi de meubler. Vas-y. Eh ben, je peux meubler, ben, ça fait pas mal de jours là, que j'ai trouvé quelques petits jeux sur la tablette. Et je dois dire que c'est très très chronophage. Hein. Donc toi, ton truc, c'est les tablettes. Personnellement, je suis pas très tablette. Hein. Moi, c'est PC à fond et je considère que les utilisateurs de tablettes, c'est juste des utilisateurs de PC qui sont pas fichus de les faire fonctionner, qui oui, du coup optent pour la solution de facilité. À l'origine, la tablette, je l'avais surtout pris pour regarder des films ou m'amuser un petit peu quand je prends le train. C'était le principal intérêt. Oui, j'ai pris le train. Une fois, sûrement. Non, parce que je te connais un peu et je crois pas que ce soit dans tes habitudes. T'es tellement de mauvaise foi. Bah, quoi? La plupart du temps, en plus, c'était pour des occasions où on y allait ensemble. Tu sais bien que j'ai pris le train. Ah, mais ça fait si longtemps que ça que tu l'as, ta tablette. Ben oui. Je sais pas, moi. Et du coup, bah, quitte à avoir une tablette, je rentabilise un peu. Donc, bah, je trouve des mini-jeux, parce que finalement, Android, c'est super cool. Hein. Il y a plein de jeux Android dessus. Android Netrunner. Ouais, disons cela. Et du coup, il y en a plein qui sont très chronophages. Oui. Alors, je sais pas si c'est nécessaire de donner des noms, mais... Non, je veux dire, après, ça fait un peu pub sponsorisé, ouais, tout ça. Non, mais je m'en voudrais de mettre les gens à des jeux qui leur mangeraient tout leur temps. Bah oui, donc... après, ils auraient plus le temps de regarder nos vidéos. Oui, voilà, donc non. Le gars qui pense qu'à lui, quoi. Je vais pas vous aider parce que sinon, vous regarderez plus mes vidéos, vous me donnerez plus d'argent et ce sera trop nul. Ouais, exactement, parce que bon, tout le monde sait que sur YouTube, on fait ça que pour l'argent. Bah, surtout avec ce qu'on gagne, quoi, 50 000 euros par mois. Au moins. Enfin, oui, ça dépend les bons et les mauvais mois, mais... Ouais, voilà, enfin, je sais que le mois dernier, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de vues, j'ai dû tourner qu'à 45 000, quoi, donc... Après, je pense... Non, je le dis au cas où il y en a qui y croient. Hein. Voilà... Non, commencez pas à vous insurger, genre... Non, non, c'est beaucoup trop comme gars. C'est beaucoup trop, attends, je suis même pas sûre. Enfin, personnellement, j'ai jamais gagné d'argent avec YouTube, hein, si ça peut rééquilibrer la balance. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah, en fait, il faudrait que j'arrive à y accéder, mais... C'est pas du tout sécurisé ce que tu nous fais. Oh, voilà. Et où elle est comme ça? Ouais. Mais Nash, il est autrement. Voilà, vu qu'on est, on a tout dit l'un sur l'autre, je pense que on peut continuer l'épisode en paix. Voilà. Et puis du coup, voilà, je passe beaucoup de temps sur la tablette. C'était la conclusion de tout à l'heure.
Pourquoi tu nous parles de ça Je sais concrètement? pas, fallait meubler, toi t'as parlé d'IKEA. Je suis pas allé dans un magasin de meubles récemment, vu que moi je n'ai pas déménagé. Du coup, récemment, j'ai joué sur ma tablette. D'accord, on a une map qui nous indique absolument rien. D'accord. Mais on sait où on est sur la map, c'est génial. Il va falloir continuer de meubler. Ben d'accord, mais vu que c'est comme tu veux. Tu creuses ou je creuse? Vas-y, creuse. Toi, les méninges. D'accord. Là-haut, oh, il y en a un autre. Au niveau du meublage, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien, depuis quelques temps maintenant, tiens, passe devant. Vas-y, Non, creuse. non, non. Depuis quelque temps maintenant, j'utilise un micro Blue Yeti. Il me semble que tu en as un toi aussi, mais que tu n'utilises pas encore. Oui, c'est ça. J'utilise pas parce qu'il est trop sensible Voilà. et avec la. Comment dire? Je suis dans un appartement dans lequel je suis arrivée il n'y a pas longtemps, il n'y a pas encore beaucoup de meubles et ça résonne pas mal. Et avec le Blue Yeti, ça fait un son absolument ignoble. Donc pour Voilà. l'instant, je ne l'utilise point. À propos de ce Blue Yeti, si certains ont des idées pour, par exemple, tu m'as fait peur, pour réduire Attention, je suis là! on va dire le fait qu'il capte quasiment tout. J'ai remarqué que sur certains enregistrements, il m'arrive de reprendre des prises, bien parce qu'il est capable d'enregistrer ce qui se passe à l'église 10 rues plus loin, comme si ça se passait dans ma chambre. Du coup, j'ai quelques soucis avec ce micro. Pourtant, la qualité est pas mal, hein. Je Ah bah trouve que il est nous. réputé, hein, moi c'est pour ça que j'ai souhaité l'obtenir, mais c'est vrai que Il capte c'est... trop. Ouais. Parce que là, enfin, vous entendez régulièrement mes clics ou mes bruits de clavier. Il faut savoir que il est au minimum de ce qu'il peut capter. Et pourtant, il entend ce qui se passe chez mes voisins. Enfin... Plein d'éponges. Ah, bon, si tu le dis. J'ai pas regardé où on pouvait aller après. Par là. Vas-y. Du coup, voilà, j'hésite à peut-être changer de micro parce que non, il faut monter un petit peu plus. Ou mettre un mur, ou je ne sais pas comme tu. D'accord. Donc j'hésite à changer de micro, tout simplement parce que celui-ci capte beaucoup trop et je n'arrive pas à avoir les réglages que je veux. Et ça m'embête un petit peu. Hop, 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 hop. Et mince. Et du coup, voilà pour le meublage. On continue? Oui, tout à fait. On Mais tu sais, continue à si tu meubler? vois que t'y arrives pas, faut pas faire comme moi. Hein. J'ai pas fait comme toi, j'ai pris une flèche qui m'a fait tomber. Ah bah oui, toi tu fais. Enfin, tu fais comme tu fais, quoi. Toi, tu fais le boulet, quoi. Merci. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que tu faisais comme tu fais. Oui. Et sinon, on peut aussi lancer des débats, hein, dans les commentaires, vu que, bon, le meublage, tout ça, tout ça. Avec EO, on a souvent eu un débat sur le format sur lequel on encode nos vidéos. Bah souvent non, on l'a eu une fois, j'ai eu raison, et puis depuis c'est bon. Ben non, parce que je t'ai pas écouté. EO encode ses vidéos en WMV, c'est ça? Oui. Alors que moi, je les encode en MP4. Et du coup, eh bien, ah, pourquoi le lapin il est dans le tunnel? Du coup, on en est à essayer de chercher finalement quel est le meilleur format. Non, pour moi, s'il n'y a pas de questions à se Oui, poser. pour toi, c'est le WMV, pour moi, c'est le MP4. Mais pourquoi Mais. tu penses que c'est le MP4, quoi? C'est nul comme format. Mais parce que déjà, c'est pas un format Windows. Enfin, Bah. bon. Ouais, bah quand tu vois la qualité, tu te dis peut-être qu'en fait Windows il est pas mauvais sur tout. Ouais, précise bien, parce que. Non, mais je dis On a pas qu'il plein est d'autres bon, choses. je dis Oui. qu'il est pas mauvais sur tout. Mais je sais pas, moi je trouve que le MP4 est mieux. Après, je te donne raison sur le fait qu'il bave un peu Ah, sur mais le le noir noir. est dégoûtant sur le MP4. C'est impossible de faire une bonne qualité de vidéo quand tu as des zones noires. Typiquement, je sais plus sur quelle map je l'avais testé, bah, c'était peut-être Dark Thirteen, où à un moment j'arrivais sur une zone qui était assez sombre. Par erreur, je l'encodais en MP4. C'était ignoble, j'avais une bouillie de pixels à la place du fond noir finalement. On a vu ça ensemble sur la Twilight, je sais plus sur quel modpack, sûrement Fantasy Craft. Oh bah oui.
C'est le seul sur lequel on a eu... On avait fait des essais, enfin principalement de mon côté, sur nos épisodes de la Twilight, et tu avais trouvé ça assez bof-bof, hein, sur les noirs. Du coup, voilà, on peut lancer ce petit débat. Pour vous, quel est le meilleur format pour finalement... Bah, franchement, si là j'étais un viewer et qu'on me dit alors c'est quoi le meilleur format, sachant bah après, que je fais pas de vidéo, je suis juste un viewer. Ça s'adresse à des personnes qui... Je vais chercher sur Google. Et Google dit quoi? Le MP4, c'est l'avenir. Ouais, parce que clairement, si t'as autre chose qu'un Windows, tu oublies le WMV. Oui, mais si t'as pas autre chose qu'un Windows, faut pas l'oublier. Oui, c'est bien. Après, certains vont nous dire aussi que l'AVI est un format très sympathique, mais très lourd. Non, bon, voilà. Hein, c'est... Là, on parle de format, on va dire, pour uploader des vidéos. On peut pas se permettre d'uploader des vidéos qui font 10 gigas. De mon côté, j'ai clairement pas giga. La connexion. Tu plaisantes, chez moi, elles font 70 gigas. Bah ça, c'est les vidéos non encodées. Tu peux quand même les encoder en AVI après. En AVI. À ton AVI. Oui, en AVI. Ah, cri-cri-cri. Cri-cri. Mon petit cri-cri. Mon cri-cri. Ah, t'as trouvé un pote? Je suis fière de toi, Nash. Tu vois que tu peux trouver des amis. Hein? Ouais, je sais. J'arrive pas à retourner où on était, oh. C'est dommage. Bah, y a plein de monstres qui apparaissent. Oui, ça c'est normal par contre. J'ai perdu. Voilà. Du coup, petit débat sur les formats finis, hein. Pourquoi tu veux débattre? On sait tous les deux que j'ai raison. Non. Non, tu n'as pas forcément raison. Moi, je suis très satisfait du MP4 et il est bien supérieur. Ah non, il n'est pas supérieur. Tu vas pas me dire que ta qualité vidéo, elle est supérieure à la mienne. De toute façon, moi, j'utilise un vrai logiciel déjà. Hein, alors voilà. Oui, et ça se voit sur tes intros. Ah non, c'est vrai, t'en as pas. Ah, mais t'en es à ce niveau-là, hein, parce que moi, je prends pas le temps de faire des intros. Non, mais toi, ton logiciel de montage, il te sert à encoder. Il te faut un logiciel d'encodage, hein, si tu veux juste encoder. Moi, j'utilise un logiciel de montage pour faire des montages. Et moi aussi, des fois, je fais des montages. Hein. Oh bah oui, hein, tu mets deux vidéos côte à côte, et puis ça en fait une troisième. Puis, moi, je fais pas d'intro, parce que je déteste ça quand je vais voir des vidéos sur YouTube. D'à chaque fois me... Enfin, voir... Alors, on peut lancer un autre débat, pour ou contre les introductions? Oui, voilà, on peut... Alors après, il faut distinguer deux types d'introductions. Les miennes donc... et celles de... Ah bah non, toi t'en as pas. Non, mais il y a les introductions comme tu fais pour... comment on est arrivé là après? Les introductions comme tu fais qui sont liées à chaque série, ou les introductions plus globales que l'on peut voir... Comme Kaelis. Voilà, par exemple chez Kaelis, qui lui a la même introduction pour toutes ses vidéos. Je sais pas du tout comment on est arrivé là-haut. Ah si, on a couru et puis après on s'est enfermé. Moi en tout cas j'ai trouvé la zone, donc j'y vais tranquillou. Du coup, pour ou contre les intros? Et si pour, lesquelles? Alors moi je suis personnellement contre, mais si jamais je devais dire... Oui, j'aurais quand même tendance à préférer des intros comme toi qui sont personnalisées comme pour chaque série qu'une intro globale de la chaîne. Ben, je pense que faire une intro, ça permet aussi de... Comment dire? De mettre un peu de plus de ta personnalité dans la vidéo. C'est pas juste, bon bah voilà, j'ai fait ma vidéo, j'encode, j'envoie, ça fait limite machinal. Ce que j'aime bien à mon niveau, c'est que je peux avoir des vidéos qui sont... avec une intro un peu plus travaillée, avec quelque chose, pas forcément de personnel, mais de plus sympa. T'arrives, t'as pas juste la personne qui dit « bon bah salut ». Ah non, t'as... je sais pas, je trouve que c'est plus... pas chaleureux, mais plus sympa, ouais, j'arrive pas à définir ça. Ouais. Non, je comprends ton point de vue, après voilà, toi c'est quelque chose que tu vas apprécier, moi n'appréciant pas voir ce genre de choses, je vais pas le faire moi-même. Oui, je comprends tout gens. À fait, bien sûr.
Après, moi, dans les choses que j'aimerais bien rajouter à mes vidéos et que je ne fais pas principalement par manque de temps, c'est mettre les petits cadres épisode suivant, épisode précédent à la fin de chaque montage. Oui, c'est ce que je fais de temps en temps. Voilà, mais ça demande d'être prévu dans le logiciel de montage. Ah, ah la flèche! Je l'avais pas vu venir celle-là. Hop, bon, du coup, à ton tour de meubler un peu parce que là, voilà, je commence à épuiser un peu les sujets. Parce que voilà. Parce que C'est pas voilà. faux. Je sais même pas où t'es, moi. Je Oh, je suis en train de tunnel, tunnel. revenir. Parce que j'ai perdu tout mon stuff, hein, il a des pop. Oh, c'est dommage. T'avais vraiment du stuff? J'avais trois stacks d'éponges, une pioche, deux bonnes épées. Oui, donc t'avais pas vraiment du stuff. Enfin, deux bonnes épées à la limite, mais. Du coup, tu reviens, tu as le bloc? D'accord, bah Je sais, je puisque tu ne m'écoutes pas, que tu ne le savais pas, mais oui. C'est pas la peine que je revienne alors. Ah non. Bah, je vais t'attendre au campement, on ira poser les deux blocs. Ok. Et il n'y avait pas la transition vers la quatrième Je intersection. crois pas. Ben on va espérer que ce soit dans la dernière. Mais le truc, c'est que là, je suis un peu limite au niveau de mes PV. D'accord. Donc, je peux manger des carottes dorées. De toute façon, je sais pas bien ce qu'on pourrait faire avec à part ça. Voilà. Ça va me redonner quelques cœurs, ce qui va me permettre de tuner un peu. Ah oui, c'est vrai que là, on était arrivé en courant. Alors là, ceux qui ont ma vision, eh bien, vous voyez tout simplement comment on se fait de la nourriture en utilisant la poudre d'os sur les trois petits champs que l'on a. Trois petits champs. Trois petits champs, champs, champs. Champignons. Là, c'est plus des patates. Mais elle va trouver un mot qui commence par nion. Nion. Mmh. Nion, nion, Qui commence par nion? nion. Bah oui. Bah oui, parce que qui termine, il y a champignon, tu vois, c'est. Il y en a d'autres. Mince, j'avais pas besoin d'autant de. On manque de gold, hein. Oui, ben je peux pas tout faire. Ouais, je sais. Mais je sais. Tu sais que. D'accord. Mais j'essaie. Ah, j'ai compris, je sais. Je sais que je peux pas tout faire, Ben mais je je. sais que t'as compris que j'ai dit j'essaie. Je vais essayer de venir vers toi peut-être pour t'accueillir à bras ouverts. Bah, accueille-moi à l'entrée, ce sera plus simple que à je ne sais où. Si tu connais pas bras ouverts, Je connais Bras Zéro. c'est un petit coin très sympathique. Ah, mais ça y est, je me souviens. Quoi, t'y es déjà allé? Bras Zéro? Non, toujours pas. Je vais rarement dans des brasiers. Bon, c'est pas mal, il fait chaud. Bah, je suis pas très calor. Je préfère le Ouais, froid, en je fait. comprends. Moi aussi. Et pourquoi? Ben, je supporte mal la chaleur. Là, tu vois, déjà, on est à peine au printemps, que déjà, il fait trop chaud pour moi. Donc, Petite nature. Ah oui, non, mais totalement. Si je dois sortir alors qu'il fait soleil, c'est fini. Et puis, enfin, voilà, avec les vidéos YouTube, tout ça, je sors quasiment pas, je suis un vampire. Bah, monsieur le C'est pas vampire, tu ok. peux venir parce Bah, que. ouais, mais je sais pas par où tu es parti. Du coup, j'essaye. Je suis. Je sais pas, j'ai suivi le chemin, quoi. Mais à un moment, t'as sauté quand même, hein. Bah, il y a un blocus et bah, je suis à côté. Un blocus. Genre. Ah oui, mais en fait, là, pourquoi il y a un chemin qui vient ici? T'es en sneak? Non. Je te vois pas, je sais pas où t'es. Je suis en train d'approcher du blocus. D'accord. Mais donc ici, il faudrait que j'arrive à aller là-dedans. C'est bizarre. Je me souviens pas être passé par là. On va essayer de passer par en dessous. Oh. Alors, je suis pas très loin, me vois-tu?
Hop, hop. Non. Toujours pas. Non, je veux juste plein. Ah si, je te vois. Alors j'arrive. Je vais m'approcher de l'endroit où on a bloqué. Bah toi surtout. Ils s'appellent Grum, les... Ben oui, tu peux les appeler Dinnerbone ou Grum, mais lui il a choisi Grum, c'est ce que j'ai montré dans la vidéo. Wow, il y a du monde. Voilà, je suis là où... Bah très bien, vas-y, tue ton araignée. Voilà. Et viens me chercher. Ah, mais j'ai pas de bloc. Moi non plus, j'en ai plus. Là, me vois-tu? Bah oui, je te vois. Louillais-tu? Non, je ne suis pas loup. Attention, tu ouvres un chemin vers des mobs, là. Un squelette qui est attiré par toi. Tiens, une carotte, c'est mignon. Ah. Non, mais on va faire une autre technique. Hein. Où es-tu passé? Je me suis décalé, je viens vers toi. Je te vois. On peut le faire, et on peut. Bien sûr qu'on peut. Donc voilà, on parlait de quoi juste avant qu'on se cherche donc, du format. Non, le format ça fait un moment. En fait, t'écoutes pas ce que je dis. Hein. Mais pourquoi je devrais faire ça? Écoutez ce que je dis. Oui. Je sais pas, parce qu'on bosse ensemble. Mais non, mais on a dit en début de map qu'on devait pas s'écouter. Alors bah moi voilà, je t'écoute pas. Allez, je te suis. À défaut de t'écouter. Vas-y, meuble le temps qu'on s'en aille. Eh bien, tu as parlé il y a pas longtemps, je sais plus sur quelle vidéo, de ton skin et du fait qu'il était trop cool, qu'il venait de, je sais plus quel, de Lost. Voilà. C'est alors le... déjà pour moi, c'est... Lost, c'est pas trop cool. C'est le skin d'Hugo de Lost pour ceux qui connaîtront. Enfin, qui avait que j'avais trouvé à l'époque où je ne faisais pas encore de vidéo dans une map qui était inspirée de Lost. En fait, c'était l'île de Lost qui avait été entièrement refaite. Alors il n'y avait pas d'aventure, rien, c'était juste le décor. Et le mappeur avait proposé les skins de tous les personnages principaux de la série. Voilà. En même temps, s'il avait proposé les skins des personnages principaux d'une autre série, ça aurait été un petit peu étrange, ne crois-tu pas? Oui. Et donc, oui, mon skin. Bah en fait, vu que je vois que ça, quand je te suis... Je me suis dit, autant en parler, hein, ça meuble, hein, puisque c'est ça qu'on recherche, on peut meubler. Meubler. T'as pas encore fini de meubler ton appart? Bah non. Hein? Bah non, tu vois bien que ça avance pas vite. Enfin, bah non, du coup, je vois pas trop parce que je suis un peu loin. Non mais tu sais bien que ça n'avance pas vite. Ah ça. Mais c'est pas facile. D'un autre côté, j'ai... réussi à level up hein, dans ma vie. Je suis passée en mode home sweet home et ça c'est cool. Attends, non mais te mets pas à ma place s'il te plaît parce que sinon je refais. Et oh. Alors je me suis reculée, d'accord. Hein, tu... Et donc c'est un level up le home sweet home. Oh bah oui, maintenant j'ai mon chez moi, c'est plus chez les parents ou quoi, c'est chez moi. Wow. C'est cool. C'est cool, j'adore. C'est EO approved? Ouais, carrément. EO approved. Alors j'imagine que vous ne voyez rien si vous avez ma vision. Mais rassurez-vous, moi non plus. C'est cool. c'est par là. J'arrive. Pouf. Non mais j'étais au-dessus moi. J'ai retrouvé. Eh bien bravo.
Alors, au final, sans compter l'épisode précédent, il ne nous aura fallu, depuis l'endroit où nous étions au début de cet épisode, que 30 minutes pour faire l'aller-retour jusqu'à l'endroit où était ce bloc. Tu arrives à me suivre? Oui. Juste qu'il y avait une araignée que t'as pas pris la peine de tuer, du coup elle s'en est prise à moi. Alors, je trouve cette zone peut-être un peu longue. Parce que là encore, on a tunnelé, certes, mais avec des lapins marathonneurs, c'était pas facile hein, C'est d'arriver. bizarre comme nom. Je ne sais même pas d'ailleurs où était le bloc, vu que moi je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, mais il était encore un petit peu loin d'où on était, Alors, je non? pense que tu le feras pas, mais juste par principe, tu regarderas ma vidéo. Attention! Bien, tu as réussi à obtenir un casque. Regardez ta vidéo. Pourquoi je ferais une chose pareille? Eh non, mais le casque là par terre, il va pas se ramasser tout seul. Parce que tu peux pas le ramasser. Oh, l'autorité! Et moi je m'exécute. C'est C'est moi qui affligeant. vais t'exécuter si tu fais pas ce que je dis. C'est affligeant. Vous voyez comme elle m'a détruit. Je suis Dresser. Le mot, c'est assez. dresser. Ça commence Ouais, aussi voilà. par un D, mais voilà, c'est ça. Je suis à ses ordres. Oui, il va faire câlin et aux zombies. Vas-y, passe devant, j'ai plus de vie. Sous le Hey, seuil. je me suis totalement fait avoir pareil. Oh. C'est Affligeant. marrant, tu finis tes phrases par un petit nom de vêtement. Alors voilà, il s'est passé ça, paréo. Et puis ensuite ça, jupe. Je sais pas, c'est. Mais Faut que tu quoi? cours plus vite. Ouah, vas-y. Non, vas-y plus. Non, vas-y plus. Nash! T'as eu... Non, 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 on joue pas là. Dit-il. Il se fiche de moi. Tiens, je vais te jeter de la caillasse. En laine. Hein, voilà. Je t'ai jeté de la laine. Tu l'as senti ma pierre hein, en laine. Mais bon, on se laisse là ou on va poser les blocs? On est Sais déjà à pas, on est à 32 combien? minutes. Ah, 32, oui, bah on va peut-être se laisser là. D'accord, ben peut-être devant la porte alors. D'accord. Là. Bon, eh bien, c'est sur ce meublage intensif que l'on va se laisser, hein. Et puis on va aller se reposer un peu, nous, je crois. Allez, à la prochaine. Salut à tous. Ciao, bye bye.